Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2 en compagnie d'Ashley qui est en train de dormir. On l'avait laissé comme ça la dernière fois après sa première journée dans son nouvel appartement. Et là on va continuer, du coup ce sera sa première journée au lycée. Voilà, sa première journée au lycée et enceinte, elle reprend son année scolaire. Et du coup ça va être peut-être un petit peu difficile pour elle, voilà, elle va devoir retourner au lycée. Il n'y a peut-être pas tout le monde dans son lycée cassé. Enfin, que tout le monde ne sait peut-être pas au lycée qu'elle est enceinte. Voilà, elle va retourner, ça va peut-être lui faire un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, il s'est passé tellement de choses durant ses vacances. Hein, voilà, elle a dû partir de chez ses parents. Elle a appris qu'elle était enceinte et tout. Donc, très difficile. Ok, qu'est-ce qui se passe? J'aime pas du tout ce bruit. Oh non, c'est cassé. Oui, je vois ce que c'est un truc de terrain en fait. Sur le terrain là, il y a plein de choses qui vont se casser très régulièrement. Ce qui me fait un petit peu peur en fait, c'est que comment vous dire, c'est qu'elle est enceinte et réparer des trucs électroniques, ça me fait peur, je vais pas vous mentir. On va la réveiller, on va lui dire d'aller manger avant d'aller à l'école hein, quand même. Prendre des restes. Oui, je sais, c'est cassé. Ah, mais non, toi, tu t'en fous que c'est cassé. Toi, tu veux de la bouffe. Non, mais tu. Attends, stop. T'es en train d'aller en pyjama à l'école. Non. Alors, je sais pas si elle s'est changée. Je sais pas. Elle est partie quand même en pyjama à l'école, quoi. Donc, professeur stressé. Le professeur doit sortir un moment pour prendre son médicament. Il demande donc aux élèves de rester calmes et de faire leur exercice de lecture pendant son absence. Ashley doit-elle obéir ou profiter de cette occasion pour faire ses autres devoirs? Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous êtes à l'école, quand vous rentrez, vous avez plein de choses à faire, vous n'aurez peut-être pas forcément le temps de faire les devoirs. Est-ce que vous allez lire ou est-ce que vous allez profiter pour faire vos devoirs? Moi, je vais être honnête avec vous, je pense que j'en aurais profité pour faire mes devoirs que de lire ce qu'on m'a demandé de lire. Alors, je sais, c'est pas bien, mais objectivement, je pense que moi, j'aurais fait ça et dans sa situation à elle aussi. Donc, on va faire ses devoirs, mais j'ai peur que ça me retombe dessus, ça va certainement le faire. Mais bon, on va être honnête avec nous-mêmes. L'absence du professeur... Voilà, on a fait une petite perte de performance. L'absence du professeur est moins longue que prévu et quand celui-ci revient, il voit qu'Ashley n'est pas en train de lire. Il lui fait alors un sermon sur l'importance de rester assise calmement et d'obéir aux ordres. Mais est-ce que ses devoirs sont faits? C'est le plus important. Bon, elle a terminé ses devoirs, je sais pas si c'est par rapport au dernier devoir. Découvrez les bourses. Ça nous intéresse, les gars. Ça nous intéresse vraiment pour découvrir les bourses parce que on veut partir à l'université, on veut réussir. On veut vraiment, donc on va regarder, on va un petit peu s'informer. Donc, on a des bourses. Bourses prestigieuses. Les Sims acceptés dans les cursus prestigieux ont automatiquement des bourses dont le montant dépend du nombre de cursus prestigieux où ils sont admis. Améliorer la note et les compétences de votre Sim avant de postuler à l'université peut lui permettre d'être accepté dans davantage de cursus et donc d'obtenir plus d'argent grâce aux bourses. Dans notre cas, ce qui serait vraiment bien, c'est que justement, elle gagne assez de bourses pour pouvoir travailler plus à l'université, mais pas en tant que travail à côté de l'université. Vraiment, on travaille en tant que, au niveau de son cursus scolaire et non pas en tant que travail indépendant à côté. Ce serait pas mal. Par contre, franchement, je vais pas vous mentir, ça va être compliqué. Avoir beaucoup de compétences, etc., quand voilà, elle va avoir un enfant, pour moi, ça semble un petit peu compromis. Pour la bourse de solidarité. Chaque Sim mérite de faire des études supérieures et les bourses pour Sim dans le besoin, études pour tous et petits coups de main sont conçues pour aider les Sims de foyers défavorisés à aller à l'université. Les Sims ayant peu d'économies et de ressources sont encouragés à les demander. Donc clairement ça on va le demander, la bourse de solidarité, ça c'est clairement pour nous. Ensuite, bourse de compétences. Les Sims qui ont développé une ou plusieurs compétences pratiques peuvent demander diverses bourses associées aux compétences. Des heures passées à développer les compétences cuisine, pêche, bricolage et bien d'autres peuvent se transformer en bourses. Cependant, ces bourses sont destinées aux étudiants jeunes et ne sont donc pas disponibles pour les Sims adultes ou âgés. Ça, c'est bien puisqu'on est encore ado. On n'est pas des adultes, ça peut être intéressant. Maintenant, il va falloir se focaliser sur peut-être une ou deux compétences histoire de peut-être... qu'on nous accorde justement cette bourse de compétences. Bourse liée à une carrière. Les universités veulent encourager les jeunes Sims qui ont déjà un pied dans le monde du travail. Alors ça nous concerne quand même, finalement, parce qu'on a quand même un petit job à côté du lycée.
Donc on va quand même s'intéresser, c'est pour celles les Sims adolescents et jeunes adultes qu'ils ont réussi dans une carrière à payer des études supérieures qui leur permettront de réussir plus rapidement dans la carrière de leur choix. Intéressant, intéressant, ça peut être bien ça aussi. Bourse sport et e-sport, je pense que ce sera pas pour nous ça, parce que notre Sims elle est pas trop intéressée sport et elle est pas trop intéressée e-sport. Quelques bourses nécessitent que les Sims participent à une activité extrascolaire. La bourse sport nécessite que la Sims fasse partie de l'équipe de football, tandis que la bourse e-sport nécessite que le Sim soit un joueur d'e-sport. Un Sim ne peut pas obtenir ces deux bourses en même temps. Donc ça, je pense que ça ne nous intéressera pas. Et bourse d'habitants, donc ça, je suppose que c'est ceux qui habitent déjà sur place. Pour les ados et les jeunes adultes, l'endroit où ils vivent peuvent proposer des bourses qui sont une aide financière pour faire des études supérieures. Chaque endroit propose une bourse d'un montant spécifique et les étudiants sont encouragés à demander une bourse et à représenter ainsi leur communauté. Ah, quoique, non, il me semblait que c'était juste là où il y avait des universités, mais je pense qu'on peut la demander aussi. Donc là, il y a vraiment pas mal de... Franchement, je pensais pas qu'on aurait autant de possibilités. Maintenant, à voir comment on évolue d'abord au niveau du lycée pour voir sur quelle bourse on va s'orienter. On va voir ça. Attendez, quoi qu'il s'y passe, Ashley est rentrée à la maison avec un projet scolaire terminé. Ce projet lui permettra de progresser à l'école. Une progression supplémentaire lui sera accordée si elle termine le projet rapidement. Les notes sont en hausse quand même. Ashley a travaillé dur et désormais une lycéenne ayant B de moyenne. Bravo. Première journée à l'école plutôt réussie malgré tout. Comme un bébé arrive bientôt, les services sociaux des Sims ont fourni un couffin gratuit. Quoi? Mais non, j'ai déjà un couffin. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Et le bébé, il a commencé, il arrive bientôt. Non, 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 laissez-moi le temps, les gars. Laissez-moi le temps de gagner un petit peu d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Avoir un bébé? Quoi, 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 quoi? Quoi, là, maintenant, tout de suite? Non, 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 non. Ah non, tu vas pas avoir un bébé tout de suite, hein. Oh, je peux pas. Elle va avoir un bébé, elle part même pas à l'hôpital. Non, 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 non. Me faites pas ça, là, tout de suite, là, maintenant. C'est pas possible, Ashley. Fais pas ça. Mais non. Mais non, Ashley. Non, tu vas me faire ça, j'ai pleuré, je vous jure, je vais pleurer. Non, Ashley, non, 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 non. Lenita. Oh, je vais me suicider. Pam. Non, Ashley. C'est un garçon. Ashley vient de donner naissance à un petit garçon. Alors, prie, s'il vous plaît. Faites, s'il vous plaît, qu'il n'y en ait qu'un seul. S'il vous plaît. Alors, prénom. Alors, Ashley Olson donne naissance à un fils. Comment on pourrait appeler le fils? Il s'appellera Charlie. Charlie Olson. Ok, c'est parti. Charlie Olson, Ashley et Charlie. Ça marche plutôt bien, Charlie Olson. Ça marche plutôt bien. Ok, tu t'appelles... Non, 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 s'il vous plaît. Non! Oh non! C'est pas possible, en plus j'avais dit quoi? Et en plus c'est exactement la même chose qu'avec Wendy. Wendy elle avait eu des jumeaux. Non. Oh non, non, j'arrête cette série. J'arrête, elle a pas commencé, j'arrête cette série. C'est pas possible, j'arrête tout, c'est fini. Non, je vais pleurer, c'est pas possible. Bon, les gars, on va se concentrer. Non, là, c'est... non, mais là, c'est pas... Non, je vous jure, c'est pas possible de faire cette série dans... Encore un enfant, j'aurais pu, mais là, non. Et du coup, j'étais tellement persuadée qu'il n'y en aurait qu'un seul que je me suis dit, bon, Charlie, voilà, on va l'appeler Charlie. Et du coup, des prénoms de deux jumeaux, Charlie et... Charlie et Charlonne. Ça va pas du tout. Charlie et... Scott. Scott Olson, ça passe, Scott. Charlie et Scott. Ça passe, hein, Charlie et Scott. Scott et Charlie. Scott Olson. Non, mais c'est incroyable. Des jumeaux. Ashley a eu des jumeaux. Alors, par contre, il y a un truc que je sais pas. C'est est-ce que c'est prédéfini? Est-ce que la personne qui a créé cette Sims a déjà prédéfini que ce serait des jumeaux? Et du coup, est-ce qu'on va tous obtenir des jumeaux ou pas? Si vous avez pris, Ashley, dites-moi. En commentaire aussi, elle a déjà accouché pour vous et qu'est-ce qu'elle a accouché pour vous hein. C'est peut-être pour ça que les assistantes sociales insistaient un petit peu pour le couffin et se sont dit non, elle en a pas assez. Elle en a pas assez. Et non, mais c'est incroyable. Incroyable. Scott a très faim. Il se rend. Oh, stop, 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 stop. Scott, 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 c'est lequel? C'est celui-ci. Nourrir. Allaiter ou nourrir au biberon?
Comment ça, pas d'interaction sociale? Avoir une interaction avec ton enfant, ce n'est pas une interaction sociale. Ok, on va leur donner à manger. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, les gars? Est-ce que je peux appeler déjà une nounou pour qu'elle vienne régulièrement acheter un service? Alors, je sais qu'il y a aussi le majordome, mais honnêtement, techniquement, le majordome, ça coûte beaucoup plus cher qu'une nounou. Hein. Un majordome, ouais, c'est 2 fois plus cher. C'est 60$ plus... 60$ plus 10$ de l'heure. Et là, c'est pour 175$ plus 12$ de l'heure. Waouh, je suis dans le bad, là. Je suis dans le bad. J'ai même pas assez d'argent pour commencer par prendre une nounou. On va essayer. Réserve, faites pas appel à une nounou fantastique. Votre nounou arrivera lundi à 19h30. Ça veut dire que là, elle va arriver. C'est-à-dire que là, je peux déjà regarder pour des travail. S'il vous plaît, donnez-moi un travail, les gens. Ok, on a des nouveaux travails. Là, il nous faut de l'argent. Là, il nous en faut. Alors, nettoyage de plage rémunéré. Les îles de Soulani, nanani. Rémunération 106$, ça je prends direct. Ça je prends direct. On n'est plus enceinte. Bon, c'est un petit peu compliqué peut-être, mais ça faut le faire. Début dès que possible, ça c'est mardi 2h du matin. Au pire, on fait ça et après on fait ça. Tu pars aujourd'hui à 20h. Ok, donc la nounou elle a le temps d'arriver. Bonjour madame. Je m'appelle Karine et je suis la nounou, enchantée. Comment elle s'appelle, Karine? Non, merci Karine, vous sauvez la vie, hein, Karine. Hein. Je veux jouer avec toi, cuisiner et t'apprendre des choses. Et bien sûr, ça ne me dérange pas de changer des couches et de faire du rangement, du ménage si nécessaire. Je veux bien que tu t'occupes de mes enfants, s'il te plaît. Peux-tu leur aller leur changer la couche, s'il te plaît? Elle est vraiment fatiguée, par contre, ça va être compliqué de faire le job. On aurait peut-être dû prendre l'autre, parce que l'autre, il rapportait quand même un peu plus. Aïe, 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 j'aurais dû prendre l'autre. J'aurais fait mon projet scolaire, j'aurais dormi un petit peu. On va voir combien on va gagner. J'espère qu'on gagnera assez d'argent pour la nounou. Au moins. Ce serait génial. Elle rentre, elle va se coucher. Combien? 115$. Ok, attendez. Ashley a été la meilleure juge que le concours ait jamais eu. Juste, sage, capable de faire des bonnes critiques artistiques. Certains disent qu'elle a un talent inné pour ce rôle. De plus, elle a démasqué 3 tricheurs. Vous demandez comment on peut tricher à un concours de sculpture de sable. Demandez à Ashley Olson. Intimidée d'avoir une telle légende à ses côtés, l'administration de la plage a versé une prime à Ashley pour la remercier de lui avoir fait l'honneur de participer à son concours. Résultat, votre évaluation, petit boulot, s'est améliorée. Et du coup, on a gagné 105$ plus 10$ de pourboire. C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce qu'elle a vu une souris. Mais quand tu dors, tu ne vois plus. Très cher. Tu ne vois plus. 140$! C'est à peine si en fait j'aurais pas dû aller travailler, je m'en serais occupée, ça revenait à moins cher. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Dur. Très, 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 très dur. Est-ce qu'on peut pas demander une bourse là actuellement déjà pour être au lycée? Non. Oh non! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Je pense qu'on va prendre un jour de congé à l'école. Et il faut qu'on fasse quelque chose. Faut absolument qu'on trouve une solution. Le problème là, c'est que je n'avais pas prévu les deux bébés. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Au niveau du travail, est-ce qu'elle travaille aujourd'hui? Elle ne travaille pas aujourd'hui ni demain. Et pour la promotion, il faut qu'elle atteigne le niveau 2 de la compétence fitness. Et pourtant, je ne voulais pas augmenter le sport. Mais c'est vrai que pour être maître nageur, maître nageuse, effectivement, il faut être un minimum sportif, ce qui est actuellement pas notre cas du tout. Mais d'un côté, faire un peu de sport, ça lui ferait pas de mal, étant donné qu'elle a encore un petit peu son ventre de grossesse. Donc pourquoi pas? Ah bah c'est bon, va dormir, va plutôt... Oh, j'ai envie de l'inviter là. Réveille-toi, va te présenter. Tu lui demandes de l'aide, tu lui dis au secours madame, aidez-moi s'il vous plaît. S'il te plaît madame, aide-moi s'il te plaît madame. Madame, t'as déjà eu des enfants madame, non? Ok madame, elle s'est cassée. Ok madame, viens s'occuper de mes enfants, parfait, je vais aller dormir. Oh, je m'en sors plus les gars, là c'est sportif. C'est vraiment très sportif là. Oh non. Oh non, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi il y a tout qui est éteint? Pourquoi tout est éteint, s'il vous plaît? Oh non, c'est le compte. On va accepter de passer du temps ensemble, mais s'il te plaît, reste avec moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Occupe-toi de mes enfants, s'il te... C'est quoi ça par terre, là?
Pourquoi il y a un truc qui pue par terre? Voilà, on l'a réparé. Oh, je m'en sors pas, les gars, je m'en sors pas. C'est bientôt l'anniversaire de Charlie. C'est bientôt l'anniversaire de Scott. Mais c'est moi, le temps, il passe vachement vite. On va vérifier ça. Espérance de vie normale, non, c'est bon. Tant pis s'ils pleurent, laisse-les pleurer, c'est pas grave. Tout va bien, c'est normal un bébé qui meurt. Enfin, je crois. Non, encore casser le lit, non. S'il te plaît, laissez-la dormir, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Elle est très très en colère à cause des... très en colère à cause des rats, je peux comprendre. Eh bien, écoutez, ça va être la fin de ce deuxième épisode. Je pense que j'ai besoin d'un petit peu de souffler là parce que je m'en sors plus, les gars. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à s'en sortir ou pas? Ou est-ce que c'est bientôt la fin finalement, de la fin au début de la fin, quoi? Bref, dites-moi. Et moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt.